Et aujourd'hui au menu, mon premier combat à Los Angeles. Ça va être un KO, premier round. Voilà, fin de vidéo, ciao. Non, je rigole. Bon allez, je vous emmène avec moi pour un beau vlog, les gars. Suivez tout, c'est parti, let's go, baby. Il n'a aucune chance. Putain, je suis désolé d'avance. What's up? Je les ai éteints. Là où il y a... Bouffé. Let's do it. À tous mes petits français. C'est de la merde. Début du vlog. J'ai réussi à vous dégoter un combat pour le 10 mars. Ouais, mais je m'entraîne pas pour le combat, les gars. Je m'entraîne pour moi et pour la suite. Le combat, c'est une partie de mon entraînement, du coup. Voilà. Mais je suis quand même pressé de combattre depuis le temps que vous me demandez. J'ai eu des petites interviews. Là, c'est parti, let's go. Ce matin, je spare un professionnel. Il a 5 combats, 4 victoires, 1 défaite. Et il frappe fort. Il est presque de mon poids et il a 30 piges. Et du coup, c'est un ancien et il tape à mort. Voilà, on va voir ce que ça vaut. Là, je vais vous montrer c'est quoi les sparring. Et là, je vais pas éclater, je vais me faire éclater. C'est comme ça qu'on travaille, les frères. Ça va envoyer du lourd, les frères. C'est comment j'ai fait mes adversaires. Yeah. Je vais peut-être me prendre un KO aujourd'hui, les gars. Et c'est comme ça, faut pas en avoir peur, les règles. Je reçois plein de messages des mecs qui disent ouais, j'ai peur du KO, nana. Faut avoir peur, les gars. C'est bien de prendre un KO. My camera on? Oh, they want to look at something else. Yeah. Right? It's very important to pee before a good spine. Stop them! No? It's come on! Stupid. Stupid. It's stupid. Yeah? Congratulations.
is here. 5,000 thanks to Coach right here. That's smart boxing. Smart boxing. The legend right there. Much respect. Regardez pourquoi la vaseline c'est important, regardez les coupures que j'ai. Parce que là ça tape, il tape fort, désolé. Voilà les chais où je vis, ça c'est ma baraka. Elle est pas mal non le château. Et regardez les gars, on est à Los Angeles et il pleut frère. Ça arrive deux fois dans l'année, la vie de ma mère. Il pleut, je vous jure qu'il pleut. Putain, par contre quand il pleut c'est un truc de fou. Tellement que rien n'est fait pour la pluie, et ben genre... les routes et tout, c'est inondé et les gens, ils font du surf. La vie de ma mère, ils sortent les voitures ici et avec une ficelle et ils surfent. Bah, regardez, je vous mets la vidéo juste ici là. Vous avez vu? Dingue, non? Enfin bref. Regardez où j'habite, regardez. Regardez, ça c'est le château dans lequel j'habite. Voilà, sympa non? Et voilà, mais il pleut putain de merde. Donc là les raies, on a fini de sparring là, de 8h à 10h. Et après tous les jours je vais à la muscu et je vais faire mon footing et renfo musculaire. Donc ça dépend, j'ai arrêté un peu la muscu parce que les gars trop de salle c'est pas bon, après on devient trop lourd. Et du coup maintenant je fais que du poids du corps. Des fois je rajoute un peu de poids, mais c'est de l'explosivité. C'est compensation. Et voilà. De toute façon je vais vous filmer ça. Et je fais petit footing aujourd'hui parce que je viens de faire un gros sparring et du renfort. What's up? And there's a river here. Already? Are you recording? Oh my god, yes, yeah. Record. Regardez les gars, de la bonne musique pour se motiver, c'est ça. Ça c'est de la vraie musique. You gotta be good. Je viens de finir de courir là. Important les gars, faut courir. Vous demandez comment faire, vous fractionner tout ça. Juste courir, 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 courir. Peut-être du fractionné, du cardio, voilà. Ouais les gars, que le charbon. Important les abdos les gars. Pour mettre des gros coups de punch. Punch est fort, le power, la puissance. Ah. Voilà ce que fait mon caméraman actuellement. Il est en train de se regarder dans le miroir. Douzis. À tous mes petits français, ça s'appelle une coquille, les gars. C'est obligatoire. C'est pas que les pros, je sais pas quoi. J'ai vu ça dans une vidéo, elle faisait des mal. Is what it is. No slow punches. Encore 5 ou 6 rounds dans le sac. Important les gars, faites des rounds. Hein. C'est le premier gars de ma vie avec qui j'ai fait un sparring. La merde.
Ok les gars, c'est preaching aujourd'hui, on va faire de la piste. Regardez là, on est dans une université, non ça c'est un collège, donc c'est l'équivalent du collège pour nous, de genre c'est de 10 ans à 14 ans. Regardez, ils ont piscine, terrain de foot, enfin c'est un bordel. Puis il fait beau, regarde, you can show them. Terrain de baseball, piscine, vous allez voir après, ils s'entraînent, et puis c'est accessible quoi, c'est juste à côté de chez moi. Puis il y a la plage à 1 km derrière nous. Regarde le soleil, fait beau non? J'ai la flemme de courir! Allez, les gars, le cardio, la piste c'est obligatoire. Si vous faites pas de piste, ça veut dire que vous pouvez pas avoir un bon cardio. Je vais vous fumer. Si vous faites pas de piste, je vous fume. Voilà. Les Américains ils sont tout le temps en retard, ça c'est un truc à savoir. Ils sont tout le temps en retard. Regardez, on avait rendez-vous à 30. Oh, il est déjà 33. Normalement, en 30, on commence l'entraînement. Et alors, du coup, maintenant, je sais, tu vois. Bon, moi aussi, je suis un peu en retard, mais je suis en avance comparé à eux. Ah, ok. Let's go, Einstein. Ils sont toujours en retard, du coup, je commence. Pas de secret les gars. Regardez. Ils sont tous en retard, j'ai bientôt fini. Après vous allez dire que les États-Unis ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé. Mais 70% du taf les gars, ça vient de moi même. C'est quoi le secret? Bah y'en a pas. Bah y'en a pas. Discipline. Discipline. One, two more. Ce mec il est immature, il s'entraîne jamais. Il est numéro 6 des États-Unis en amateur en heavyweight. Regarde ce qu'il branle. Il est en train de s'entraîner, il fait les tours en trottinette. Ils sont bas les couilles. Il pourrait être tellement fort gros. What's up? I'm already done. You know what's done? Yeah. You do two turns already. Two laps? Yeah, you are. I know. You're already done. I do. Other video had me laughing. You like? Yeah. It's already 28,000 views. You see? You see? You see? I like. Yeah. I'm done, man. No! Bro, it's too late. I have to. No, go. No, no. I have dinner family. No. I already do four. No. I do the stern. Mm-mm. I just have my sprint to do. No. You ran at me. No, I already did. You don't want promotion. Hundred punches, 100, 100, 1, 2, 3, 4, 5.
100. You like this now? Hey, hey. Leg. Oh, okay. And I have third leg. Yeah, black. Get out. Yeah. What, Tommy? 100%. That's my black brother right there. Get him on the camera. Yeah. Yeah. Boy, what's going on? No, champ. He was a slave. His name was Baby Kunta. I'm so proud to see y'all here. Come on, we. You know, he keep doing this, doing it like this, you know what I'm saying? He ain't all the way cut up getting none of that. You know what I'm saying? Why are you tickling me? I like take that shit back to a friend. My friend. Your age. How old am I? You ask me every day. I know, but I want you to say. You ask me every day. 27? No. 26? I'm 19. Yeah. So all the French women out there? 19, single, trying to mingle. What are you saying? Every time. Si, alors, vous avez vu le gars, j'ai bientôt fini et commence. Je suis en avance sur eux. Ok, easy money baby. J'ai fini, il commence. Pour ça, je vais réussir dans la vie. Ici, je fais des coupes de cheveux à 35 balles la coupe. Et du coup, ça me fait de la money. Welcome. Et moi, je viens juste d'être avec lui. Là. Et voilà, couper les cheveux. Regardez comment il fait le beau. Dans les rues d'LA. That's why I love LA. Everyone sing. Bah ouais les gars, je coupe des cheveux hein. On gagne notre argent comme on peut hein. Let's go. What do you think about them? The French people, les gens. I love. But you have a bath or not? I have a shower, but. It's clean. It's clean. I don't know if we see it. Does that move? Bonjour! Non, je rigole, aujourd'hui j'ai pas de caméraman, les gars, je suis tout seul. Donc c'était une mise en scène. On est vendredi matin et il fait beau. Voilà. Aujourd'hui, entraînement à la dune à Manhattan. On va même ouvrir le toit. Voilà. Ouh là là, vous sentez là. Regardez ici, tout le monde a des vélos électriques, c'est un truc de fou. Et ça, c'est que des jeunes qui conduisent les gros 4x4 et tout là. Ils vont à l'école, ils ont tous v'là la thune, c'est un truc de malade. Et moi, et ben, ça fait 2 ans que je conduis sans permis. La dune, elle est privatisée. Du coup, on va s'entraîner sur la plage. C'est sympa aussi, vous allez voir. Il y a la maison de Kendrick Lamar là, juste là, la jeune. Yeah! Get this work, baby! Coach told me to start doing that. Yeah, you got the boots. Why are you using all your shoes? She out here with dunks on. I'm like Muhammad Ali. You gotta run around all those. Beats for run? Yeah, for run. Hello, bar. Donc là, on va faire sprint de ce lave-garde là. Jusqu'à celui qui est tout là-bas. On va vomir. The instructor was with me the whole time, so like, he got me out to the water. Come on, Ted. Yeah, sure, the premier. Let's go. It's not done. Yeah, that was only the first one. Yeah. That's an eight. It's hard. Now it's a hard thing. Ready? Come on. It's an eight. Yeah. Well, I didn't say it's gonna be easy though. It's definitely gonna be hard. But come on, Jay. And then we're out of here.
j'ai activé le mode Doberman. Alors, qu'est-ce que le mode Doberman? C'est ça. Paf. C'est bouffer pour bouffer. C'est bouffer, you know. Tu vois, c'est pas manger, c'est pas bouffer, c'est bouffer. Bouffer. Ah, les gars, et vous savez que je commence à apprécier de manger ça, parce que je mange ça quasiment tous les jours. Hein. Là, protéines, fibres un peu, puis un petit peu de riz. Comme je suis au poids, allez, comme je suis au poids, je me fais un petit peu de riz. Et demain, demain no carbs toute la journée, on va voir si on est au poids. Et puis, petit footing avec la combi Sauna Sweet pour perdre de l'eau. Je m'hydrate pas demain toute la journée. Et dimanche matin, peser, let's go. Ça, le sauna, ça brûle, mais mon nez tout le temps. Je déteste le sauna, les frères. Rugby. On perd de l'eau. Là. On boit pas jusqu'à demain matin, peser. Oh les gars, là. La flotte qu'il y a dans ma combinaison de sauna. Là. Oh, j'ai chaud, là. Où j'échauffe, j'arrête de parler. Ah, oh, je vais faire un malaise dans le sauna. Oh, je suis en train de mourir. Oh. Ah. Je suis au poids les gars, un jour avant. Ce dev de moi, je suis tranquille. J'ai gagné le combat, voilà. Je suis shooté. Ok. Hey Rene, I'm gonna start calling you Macron. Macron, you saw him? It's your friend? No. He likes old ladies. Damn! Oh my god! C'est là où je vais mettre le chaos. Ouais. Pop, pop, pop. Okay, I'm hungry. Yeah, I'm pretty sure you could go get something real good. Don't get nothing like, you know. No, I have my pasta, my fruit already. Oh, that's good. Make sure a lot of protein. Good like salmon is good. Salmon is good. Like eggs? How about eggs? No, I have turkey. Turkey is a little bit too heavy. You gotta eat something. Oh, like a light, like salmon, yeah. No, like salmon will give you a lot of good energy. A lot of strength. And don't drink that either. Why? Is that good for you? Yeah. What does it do? Because he's gonna be burned out by the time he fights. Oh, yeah. Don't drink that. What happened? Drink water. It's for you guys. You drink that right before the fight. Huh? Oh, yeah. Oh, yeah, well, it's okay. Yeah. I'm so forceful. I'm just telling you from experience. I had a fighter that he did okay. No, I'm telling you. Ring. But you're okay. Here. What's up? Say hi to French people. Hey, French people, what's good? What's going on? Hi. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais lui casser. C'est dans son nez. Je vais le tuer. Everyone! Je vais le tuer, je vais lui casser, c'est dans son nez. Bah! Let's go, Dark Tower. Oh, yeah! Don't mess with me. And I didn't want to write this song, cause I didn't want anyone thinking I didn't care. I come back. You still hear my phone now. Today for me, fucking amazing, man. Try to be nice. Like yeah.
ain't saying we try to be nice. We don't try to hurt nobody too bad. You know what I'm saying? We not crazy. We just serious about this shit. We in here day and night, 24/8. What is it, 25/8? 24/7. T'es dans mon vlog là. Regarde, je me bats contre lui. Je vais le détruire. Je suis désolé, mon ref. Voilà. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Voilà. On l'a pas vu. J'ai le sida. It's crazy. Nah, I don't think so. Let's stay. Watch. Okay, back. Okay, that's sad. That's sad. Turn. Other way. Put your arms out. Push down. Pull up. Okay, relax. Sure. Good. Relax. Head. Down. Back. There. There. We have he. My name is Titi. Hey, all my Frenchies, man. I support y'all. You know, I'm a listen French. Listen to me. We are from the science of sweet, sweet. Okay, normally. Bang, bang, bang. Against the outlaws, outlaw boxing. Who was that? That was your first opponent. Really? Ah, that sounds good for me. You won or you lose? we win. All we always win. Flabbergasted. Je suis tellement loin dans le vide, même pas confortable. Réputé insortable, 800 mètres carrés, habitat. C'est l'heure du combat, enfin. Depuis le temps que vous me demandez, depuis le temps que ouais, c'est parti. Et alors, faut savoir que mon adversaire, il fait partie de la salle de boxe concurrente de notre salle de boxe à Los Angeles. Et leur entraîneur, il combat pour la ceinture. Voilà. Et donc c'est la WBF International Championship Bout le 23 mars, du coup bientôt. C'est pour ça que tout le monde venait, ils m'ont mis à la fin, parce que j'avais pas le choix de perdre, parce que voilà, c'est la rivalité et il fallait que je gagne. En plus il y avait Malik, le gars de notre salle, donc le gars qui est ici, qui était là aussi. Il faut savoir que l'entraîneur en face, il s'entraîne avec la team de David Haney, King Callum Walsh, Will Card, le protégé de Dana White. Et voilà, c'est pour ça qu'il fallait pas que je perde ce combat. Et là, c'était chelou, je suis pas un gars qui a la pression du tout et tout, mais y avait les réseaux, tu sais, je suis tout le temps là à faire le show et tout. Et tu connais pas le mec qu'elle a en face, tu vois, et en plus, j'avais accepté, en fait, il était plus lourd que moi, il était 162 et moi j'étais 154 LBS, donc ça fait 3,5 kg de plus. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est toujours une petite différence quand même. Et faut savoir que c'était un bon débutant, tu vois. Je suis content parce que c'était pas du coup un combat facile, et du coup, ça fait une bonne petite rivalité pour mon premier combat, et puis voilà quoi. Et là, c'est parti. Tu connais pas le mec qui est en face de toi, du coup. Un peu chelou, mais tranquille, reste quand même serein. Je sais que voilà. C'est parti, ça commence. Et là, le mec, dès le début, ce que je ne suis pas du tout habitué, il me fonce dessus, bah, un peu un truc de débutant, quoi. Et moi, j'étais pas prêt du tout. Regardez comment il me rentre dedans. Po, il a commencé à fond, quoi. Et moi, bah, d'habitude, ça se regarde plus, comme je m'entraîne avec les pros et tout, c'est pareil. Et là, regardez, Gapo, il arrêtait pas en fait. Toujours pression, il reculait droit devant moi. Et du coup, bah, le temps que je m'y mette, c'est parti. Puis... Pouf, là je le touche, pouf, je passe en dessous, pouf, pouf, pouf. Bouge, paf, 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 et je tourne, pouf, il tombe, take down. Ça va trop vite pour lui. Et là, dès le début, regardez, dès le début, dès que ça repart, je lui envoie une grosse right hand, pop, oh, pop, oh. Après, je fais toute l'équipe dans les cornes, mais je me remets direct droit. Voilà. Attention, deuxième round, let's go, baby. La deuxième round, je vais. Enfin, je l'ai capté le mec, je suis réveillé et du coup, c'est parti. Regardez comment ça démarre vite. On dirait que c'est en accéléré, je trouve. Là. Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop. Pop. 2-1. Oh, ça marche tout le temps, les gars. 2-1. My hands.
Et là, attention. Mesure tout, ça fait mal. Troisième round, j'attaque au jab. Il abandonne pas quand même, hein. Il était solide le mec. Tu vois quand même qu'il est un peu plus grand que moi et plus costaud quand même. Ouais, c'est pas grand chose. Jab. Jab. Voilà, tout suit. Et là, je voulais juste scorer en fait. Je sais pas, je scorer. Parce que vas-y, c'est chiant, il me rentrait dedans, ça me casser les couilles. Voilà, fin du combat. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Il y a du lourd qui arrive. Like, commente, abonne-toi, active la cloche. Et ouais, il y a du lourd qui arrive les gars. J'ai dépensé toute ma thune pour vous pendant le mois de mai, juin. Tout le mois de mai, juin, pendant deux mois, je pars en voyage et vous allez voir, ça va envoyer de la boxe du lourd. Et je vais vous envoyer tout, tout. Sparring, tout. Let's go baby. Yes sir, toi Steven. Yes sir.